Thank you.
Ah!
Fait de mon équipe, ils ont sont battus jusqu'au bout. Malgré le troisième carton où on laisse un peu trop de liberté à Vikovic, elle marque ses trois points. Ils shotent tout ensemble, ils shotent au-dessus de 50 points à trois points. Il y a de nouveau quelques paniers comme dimanche passé avec le panier. On a le shot au milieu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut montrer qu'on a fait une bonne figure. Maintenant, pour la suite, c'est confirmé parce que c'est une rencontre. On peut être fier de nos filles. Ça fait qu'à ce moment-là, les autres équipes qui sont routinées un petit peu, parce qu'eux, ils connaissent ce niveau-là. Et nous, on doit encore apprendre. En tout cas, c'était une rencontre très utile pour savoir un peu comment ça se passe au niveau du jeu, au niveau des fautes, au niveau de l'arbitrage et au niveau de la concentration durant 40 minutes. Aujourd'hui, seule chose que je trouve très lamentable, c'est on siffle des deux côtelés. Je suis tellement désolé, mais Prague, peut-être c'est comme ça, mais ils sont protégés à 100%. Nous, on n'est pas protégés, on reçoit des petites fautes. Les autres, de l'autre côté, on ne reçoit pas des fautes. Combien de marchés sont pas sifflés du côté de Prague? Ça donne un petit peu un goût amer à cet résultat. Maintenant, je dis encore pour nous maintenant de construire là-dessus, de prendre des renseignements et de bien bosser sur la suite. Et je pense que là, on a montré qu'on va faire bonne figure dans cette Euroleague et on va gagner des matchs. Vous ne pensez pas que ce sera le cas durant toute cette Euroleague au niveau de la façon de diriger le jeu? Oui, absolument. Je pense que on est le petit dans cette. Mais à nous à se faire respecter. Et c'est certainement pas en rouspétant. C'est à se faire respecter en jouant très très dur, pas rouspéter justement, mais avoir une constance dans notre jeu. Et ça, à ce moment-là, on va créer du respect, on va gagner du respect. Et c'est ça, c'est la seule façon.